Bonjour à toutes, bonjour à tous, le live des métiers, épisode 5 déjà. Et pour en parler, comme à chaque fois à mes côtés, Damien Moncassin. Bonjour Damien. Bonjour Denis. Aujourd'hui, la thématique éducation, vie lycéenne et orientation. Oui, on a fait ce choix-là puisque l'idée de ces émissions, c'est vraiment d'être utile aux collégiens, aux lycéens, à l'ensemble du public. Et donc, on a fait le choix d'aller à Cognac, sur un territoire où on va découvrir un certain nombre de jeunes qui vont nous parler un petit peu de ce qu'ils font là-bas. Et notre invité, comme à chaque fois, nous avons un invité, Philippe Mitté, directeur général adjoint pour l'éducation et citoyenneté. C'est vrai que cette thématique de l'éducation, elle est ô combien importante. On en parle beaucoup, tout le temps, en ce moment. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, oui, c'est effectivement une thématique d'actualité et d'actualité encore plus à cette période. Et je crois que ce qu'on va avoir comme échange avec les jeunes qu'on a pu voir sera tout à fait intéressant parce que ça montre une certaine diversité. Et dans l'éducation, il y a bien entendu la partie orientation puisque être dans un établissement scolaire, c'est aussi le quitter à un moment et il faut pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Alors justement, on va aller tout de suite dans un établissement scolaire avec deux guides au féminin, Léa et Léa. On a fait dans l'originalité. À tout de suite. En immersion, donc, c'est notre toute première chronique comme à chaque fois et nous allons tout de suite découvrir Léa Masson et Léa Garabeuf qui sont à Cognac. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Alors, expliquez-nous où nous trouvons, ou plutôt où vous vous trouvez exactement. Bah alors là, on est juste devant la maison des lycéens, dans notre lycée. Ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement c'est quoi une maison du lycéen et quel est le rôle que vous jouez toutes les deux dans ce lycée Jean Monnet à Cognac ? La maison des lycéens, c'est une association loi 1901 qui a hébergé au lycée. Et avec la maison des lycéens, on a beaucoup de projets, des projets ludiques et des projets citoyens qu'on fait hors temps scolaire en fait. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ait envie de s'intégrer à ce projet parce que c'est, j'imagine que c'est pas mal de responsabilités, pas mal de temps passé. Bah, en fait, si on a envie de diriger un petit peu la vie du lycée, créer des projets, s'intégrer aussi dans la vie du lycée, en fait, c'est le cadre idéal en fait, pour pouvoir s'engager dans notre lycée. Est-ce que vous pouvez nous présenter pour les futurs lycéens ou d'ailleurs les lycéens actuels, quel type de projet vous montez dans cette maison des lycéens ? Alors, il y a deux types de projets. Les projets plutôt ludiques, comme le bal du lycée en fin d'année ou des tournois de baby-foot. Et il y a aussi des projets plutôt citoyens, comme le ramassage des déchets. On organise aussi des journées pour la lutte contre les discriminations, mais aussi des concours de plaidoirie, par exemple. Et est-ce qu'il a été très compliqué pour vous, sur le plan moral, finalement, avec ce Covid, tout le monde est resté chez soi, donc il n'y a pas eu vraiment de vie lycéenne. Ça a été compliqué à vivre, cette période-là, pour vous ? C'était plutôt compliqué, mais on a plusieurs membres et on est resté en contact. On a fait quand même des réunions, on a continué à organiser des prochains projets qui pourraient émerger l'année prochaine. Vous n'avez pas coupé le lien, vous avez réussi à organiser, même en restant toutes et tous dans vos domiciles ? Oui, via des réseaux, via des vidéos aussi. On a réussi à pouvoir organiser, par exemple, un futur bal du lycée, vu que cette année, il ne peut pas avoir lieu. On a réussi à organiser, on est en train en fait, d'organiser d'autres projets qui auront lieu l'année prochaine. D'accord. Alors, nous, on a sur notre petit papier MDL. On a compris que c'était Maison des lycéens et on a aussi CVL. Je pense que c'est Léa, la deuxième, qui va pouvoir nous expliquer qu'est-ce que veut dire CVL et quel est le rôle d'un CVL. Le CVL, c'est donc le conseil de vie lycéenne du lycée. Moi, je suis vice-présidente du CVL au lycée Jean Monnet. Et là, le rôle, il est un petit peu en complément de MDL, c'est-à-dire que nous aussi, on fait des projets lié directement avec le proviseur qui est lui le président du CVL. Et on accompagne aussi la MDL dans leurs projets. On est là aussi, le mot d'ordre dans le CVL, c'est l'engagement citoyen, en complément de la MDL. Ça veut dire qu'en permanence, il y a des connexions entre vous, on discute, on est d'accord ou pas d'accord, mais en tous les cas, il y a un vrai dialogue qui est quasi permanent.
Totalement, et on a remarqué que la plupart des membres de la MDL sont également des membres engagés dans le CVL. Donc au lycée Jean Monnet, c'est vraiment un lien qui se fait tout le temps de communication entre les deux instances. Une question peut-être à Philippe Mitté, ça donne espoir hein, de voir ces jeunes femmes qui sont totalement investies pour des missions, en plus de leur temps scolaire finalement. Alors, je ne sais pas s'il faut dire que ça donne espoir. Ça rassure. Ça rassure, voilà. Plutôt. Ça rassure et ça montre que ce qui existait et ce qui existe depuis assez longtemps perdure. C'est vrai qu'à travers l'exemple qu'on vient d'avoir, c'est d'une certaine manière montrer la complémentarité qu'on peut avoir dans un établissement scolaire. Il y a ce qui est de l'ordre du ludique, ça a été dit il y a plusieurs fois. Alors, j'ai entendu la partie citoyenne. Et ça fait le lien avec le CVL, où là, on est plutôt dans une logique de représentation. Dans un cas, on va être ensemble, faire communauté, travailler ensemble, avoir des... Je m'inscris volontiers au concours de baby-foot, plus qu'au bal, mais bon. Et puis après, il y a la partie, effectivement, représentation. Et je crois que c'est important dans un établissement, surtout quand on est dans un lycée, d'être dans une forme de citoyenneté. Quelqu'un, j'ai retenu le mot diriger et intégrer. Diriger au sens de donner une direction. Je pense que dans le terme, ce n'était pas vouloir être le chef, mais c'est pouvoir donner des orientations et puis accompagner un certain nombre d'initiatives. Et puis après, intégrer. Je crois que c'est un élément important dans une communauté éducative, dans un établissement scolaire, où pour un certain nombre de jeunes, ils sont internes, ils viennent de très très loin. Trouver des modalités et des manières de faire pour être ensemble à travers des activités, mais aussi porter un certain nombre de points. J'ai entendu le traitement des déchets, tout ce qui est autour de comment fait-on pour que dans les années à venir, on puisse mieux vivre ensemble. C'est des éléments qui sont vraiment importants. C'est deux modalités qui sont un peu différentes, mais qui se rejoignent. Et comme l'ont dit les deux Léa, c'est pratique, on ne se rend pas, les deux Léa, les gens de la MDL sont aussi souvent dans le conseil de la vie lycéenne. Mais ça n'est pas systématique malgré tout. Et petite question justement aux deux Léa. Est-ce que parfois il y a des oppositions qui apparaissent dans les réunions, dans les confrontations, où tout le monde est tout le temps d'accord? Comment ça se passe en fait, les négociations pour les prises de décision? Ah non, il y a régulièrement même des oppositions. On est très très peu souvent tous d'accord au même moment sur un même projet. Ah, là, je suis rassuré. On débat tous ensemble, chacun exprime son opinion petit à petit et on finit toujours par un vote pour savoir à l'unanimité quelle opinion l'emportera au final. Bon, ça vous prépare au concours de plaidoirie que vous organisez. Est-ce qu'on peut vous demander, je ne sais pas si ça sera techniquement possible ou pas, mais de nous faire visiter un petit peu la maison des lycéens et le lieu où vous vous trouvez? Oui, parce que apparemment c'est assez singulier hein, comme lieu. Ce sont des containers, c'est ça? Oui, exactement, ce sont des containers, oui. Alors, est-ce qu'on peut faire l'expérience en live de que vous nous présentiez un petit peu les lieux? C'est parti. Ne prenez pas de risque, hein, attention. On est devant la porte de la MDL, là où est Léa. D'accord. On peut rentrer à l'intérieur. Hop. Là, c'est la salle principale de la MDL. Bon, c'est pas installé, mais il y a plein de canapés où les élèves peuvent se retrouver pour discuter. On a aussi juste à côté une machine à café. Deux machines à café. Important ça, c'est très important ça. Très important. Toujours dans les réunions, ça, toujours la machine à café. C'est vrai. On a un bar aussi ici où parfois on peut vendre des croissants, des chocolatines le matin. Durant les journées, par exemple, lutte contre les discriminations, elle se passe dans ce lieu. Et donc on a souvent des choses à vendre pour boire, etc. D'accord. Ce sont des éléments, je vous pose une question, en fait, qui participent des recettes que vous avez au titre de l'association? Non, ce ne sont pas des recettes pour l'association. C'est une association à but non lucratif. Mmh. Les recettes qu'on emporte, parfois on a des recettes, comme vous dites. Ce qu'on a ici, c'est pour créer nos prochains projets, en fait. D'accord. C'est vraiment pour les projets de la MDL. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous avez justement comme grand projet en tête? J'ai cru comprendre qu'il allait y avoir un grand bal, c'est ça? Comment ça va se passer? Il va falloir mettre des masques, etc. Comment vous avez prévu tout ça, vous? Alors, le bal, à l'origine, il devait être au mois de juin, donc ce n'est pas possible. On va faire un bal probablement au mois d'octobre. Donc, d'ici là, on ne connaît pas encore les prochaines consignes sanitaires, donc on ne peut pas prévoir par rapport aux masques pour le moment. Ça fait partie des interrogations, pardon, on ne sait pas. Non. Et est-ce que vous avez prévu d'inviter Denis, qui ici présente l'émission, le live? C'est prévu. Ah bah si tout si est possible. Voulez, je peux faire une démonstration de claquettes, mais il faut que je sois en forme. C'est pas tout le temps. Hein. En tous les cas, merci beaucoup les deux Léa pour ce moment.
Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Vous avez encore quelques secondes si vous voulez. Peut-être pour motiver vos amis à venir à rejoindre justement ce genre d'organisme que vous co-dirigez ou que vous dirigez. Bah, si vous voulez être engagé, vous intégrer vraiment pour créer des projets, c'est vraiment les lieux, le CVL comme la MDL, pour pouvoir réussir ce que vous voulez faire. Voilà, le message est clair. Merci beaucoup. Merci, Méda. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci. Mais voilà, le message, il est clair. S'intéresser vraiment. On parlait d'immersion, on est vraiment en immersion pour aider les autres aussi. Ce côté collectif, il est là en 2020 chez les jeunes. Ça vous fait plaisir, ça? Bah, oui, ça me fait plaisir parce que ça a été quand nous avons créé cette nouvelle région en 2015. Une des questions que nous nous sommes posées, c'est comment pouvoir accompagner la jeunesse et comment être en mesure de le faire d'une bonne manière. On avait fait un très très long travail et on s'était rendu compte que toutes les directions au sein de la région travaillaient d'une certaine manière sur une petite partie de la jeunesse. Et la décision a été prise de dire on crée une direction de la jeunesse qui a vocation à travailler sur tous les domaines qui existent. Et dans les trois principaux domaines, il y a évidemment celui qu'on a vu avec le soutien au CVL et tout ce qui est vie lycéenne. Il y a un deuxième domaine qui est vraiment important, c'est celui de la mobilité. Parce que ce qu'on observe, c'est que la jeunesse, ce qu'elle a besoin et ce qu'elle cherche, c'est être en mesure de partir de son territoire et de pouvoir y revenir. Donc c'est la question de la mobilité au sens large. Et puis après, il y a un troisième domaine sur lequel on est vraiment très très attentif, c'est tout ce qui est le soutien au projet. Ça a été évoqué. Comment, quand des jeunes ont des initiatives, la région peut les aider, les accompagner, pas faire à la place d'eux, mais être en appui pour que, quand il y ait des choses à réaliser, on soit à côté d'eux pour pouvoir le faire. C'est vraiment une ambition et je crois que c'est un élément important dans la stratégie de la région. La jeunesse, on considère que c'est plus une richesse, plus un investissement qu'un coût. Et c'est vrai que même si dans nos débats actuels, les choses peuvent être parfois compliquées, on cherche vraiment à ce que la jeunesse apparaisse comme étant un élément positif dans tout ce que l'action que nous visons. Alors, on va continuer le déroulé de cette émission, cet épisode 5 du Live des métiers, avec le parcours et les gestes professionnels. Notre deuxième chronique ô combien importante, juste après le... Jingle. Troisième invité, il s'appelle Guillaume, c'est un ancien pilote de course Shell, Kezako. Eh bien, nous allons tout de suite lui demander bonjour, Guillaume. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, toujours à Cognac également, c'est ça? Non, là, actuellement, je suis sur mon lieu de travail à la tonnellerie Baron Rogon, à côté de Sainte. À côté de Sainte, d'accord. Donc, on va évoquer, puisque c'est le thème de cette chronique, les parcours et les gestes professionnels, on va revenir sur cette réussite au concours Shell. C'est quoi exactement le concours Shell? Alors, le concours Shell, c'est une course automobile qui a lieu dans le monde entier. Elle consiste à créer une voiture, un prototype. Donc, nous, au lycée Louis Delage, on a créé une voiture, une Urban Concept, donc une voiture miniature qui ressemble à une voiture de un peu Monsieur Tout-le-Monde. Et on a un nombre de tours défini à faire. Et sur ce nombre de tours, il faut consommer le moins possible de carburant. Donc on est à peu près une soixantaine de véhicules. Et c'est à nous de gérer correctement les accélérations, les freinages, les virages, notre positionnement, établir des stratégies sur le moteur, sur l'injection, l'avance. Il y a plein de paramètres qui rendent en compte. Le pilotage, le vent, bien rentrer dans les virages, essayer d'allumer le moins possible le moteur pour consommer le moins possible. Bonjour Guillaume, Damien. Bonjour. J'avais une question à te poser assez simple. Combien vous étiez en fait dans cette équipe de ce lycée pour monter cette voiture et quelle formation vous aviez tous? Alors on était à peu près 6-7, entre 6 et 7 personnes à bosser tous les jeudis soirs de 18h à 23h sur la voiture. Et on s'est retrouvé à une dizaine à y aller à Londres pour le Shell Eco-Marathon. Et on n'avait pas forcément de formation particulière. Ce qui intéressait notre professeur, c'était d'être motivé. Après, on a appris, il y avait des anciens élèves qui venaient aussi nous aider, qui ont fait un BTS CRSA à Louis Delage à Cognac, qui venaient continuer à travailler sur la voiture parce que ça les intéressait. C'est eux qui nous ont transmis le savoir-faire, comment la voiture fonctionnait. Et on n'avait pas de formation particulière. Il fallait juste être motivé, intéressé, chercher à comprendre. Et voilà.
Donc vous faisiez ça en fait en même temps que tu passais tes examens, ton BTS, etc. En fait, c'était un outil pratique, si je peux dire comme ça, pour passer votre examen. C'est ça, c'était en plus de nos cours de BTS. C'était tous les jeudis soirs, on travaillait sur la voiture. Ça veut dire beaucoup de passion, ça veut dire quelque chose qui doit prendre la tête, mais positivement, en permanence, non? Oui, c'est ça. Moi, au début, je ne connaissais pas, j'y suis allé quelques soirs, et ça m'a intéressé. J'ai regardé des vidéos sur Internet, et je me suis lancé dedans avec l'équipe, et les enseignants et puis les anciens élèves, c'est des passionnés. Donc, je me suis lancé avec eux, puis au final, je ne regrette pas, parce que j'ai fait deux années de BTS, j'ai participé. C'était moi le pilote de la voiture, et je ne regrette pas, parce que c'est une super expérience. Et alors, je crois que cette voiture, tu me dis si je me trompe, s'appelle Roule Cagouille. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, c'est notre alors, nom de voiture, Roule Cagouille. Pourquoi Roule Cagouille, déjà, une première chose. Et puis une deuxième, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à Londres comment ça s'est passé et quels sont les résultats que vous avez pu y obtenir? Alors, on a choisi Roule Cagouille en référence à la région Charente-Maritime et Charente, où une cagouille, c'est un escargot. Donc, on a voulu faire un petit jeu de mots en disant Roule Cagouille. Un escargot roule pas forcément, avance pas forcément très vite, mais nous, on a voulu faire un petit jeu de mots en utilisant Roule Cagouille pour rappeler un peu notre origine, Charente-Maritime. Ensuite, au niveau des résultats, la première année, on a fait premier européen, puis troisième mondial. Et l'année dernière, on a fait deuxième européen et troisième mondial. D'accord. Sur une soixantaine de voitures. Ouais, c'est phénoménal comme résultat. On se pose la question, nous, ici, en plateau, une voiture comme celle-là, puisque le défi, c'est de la faire rouler, je crois, entre 30 et 50 km/h et le plus longtemps possible, avec le moins de carburant possible. Est-ce que tu peux nous dire quel est votre résultat? Et si tu le sais, quel est le résultat, par exemple, des premiers mondiaux? Alors, nous, notre meilleur record, c'est 518 km avec 1 litre d'essence. Et les meilleurs au-dessus de nous, ils sont à 622. Donc c'est des Danois qui sont au-dessus de nous. Ça se joue entre eux et nous. Donc ils méritent quand même leur place au-dessus de nous parce qu'ils sont meilleurs. Ils ont plus de technique. Voilà, ça fait plus d'années qu'ils sont dedans. Et après, oui, par contre, c'est une super expérience. Nous, après, c'est plein de stratégies qui rentrent en compte. Donc dans les qualifications, on a par exemple 15 tours à faire. C'est ce qu'on a eu à faire les deux années précédentes. Donc on a un temps. On ne va pas dépasser les trois quarts d'heure pour les faire. Et ensuite, pour le championnat d'Europe et championnat du monde, par contre, là, c'est toujours le même nombre de tours. Mais par contre, c'est les trois premiers arrivés qui sont qualifiés. Donc, les trois premiers arrivés du championnat d'Europe sont qualifiés pour le championnat du monde. Ensuite, il se passe la même course aux États-Unis, où les trois meilleurs Américains sont qualifiés. Ça fait une course à 9 voitures pour le championnat du monde. Alors aujourd'hui, ça sera ma dernière question. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans les prochains mois, les prochaines années? Tes rêves, peut-être aussi? Ce que j'aimerais, c'est pouvoir continuer le projet voiture, à participer avec toute l'équipe qu'on est, parce qu'il y a une super ambiance, on fait des bons résultats. Donc, on pourrait se dire que pour un petit lycée de Cognac en Charente, c'est impressionnant de pouvoir participer au Shell Marathon à travers le monde entier. On rencontre des nationalités différentes. Ça nous apprend l'anglais, ça nous apprend beaucoup de mots techniques sur l'anglais. Ensuite, vu qu'on a fini dans les trois premiers mondiaux, normalement, au mois de septembre, avec la circonstance actuelle, on attend de savoir, mais on devrait aller à Maranello, en Italie, visiter l'usine Ferrari. Donc là, ça devrait être extraordinaire. Et ensuite, je suis apprenti automaticien à la tonnellerie Baron, car je fais une licence robotique et automatisme à Poitiers. Donc je souhaiterais être embauché dans l'entreprise où je suis. Tu as évoqué, je crois qu'on m'a fait passer le message, parce que je me souviens malheureusement pas de tout le monde, mais je crois que tu as participé aux Olympiades des métiers dernièrement. Oui, on a participé aux Olympiades avec la licence robotique, justement. D'accord, donc en robotique mobile? Oui. D'accord, et est-ce que tu vas participer aux épreuves? Vous avez été retenu? C'était à quel moment que tu as participé, Guillaume? C'était juste avant le confinement, et puis avec ce qui s'est passé, la conjoncture, là, et on est tous retournés chacun dans notre entreprise, donc normalement ça ne devrait pas se faire. Je pense que ça va être trop compliqué pour nous de pouvoir y participer. D'accord, mais tu avais été retenu après les présélections? Oui. Bon, mais je pense que normalement, tu devrais pouvoir aller au bout de l'aventure là aussi, parce qu'on est en train de le mettre en place d'ici le 10 juillet. Oui, j'espère aussi. En tous les cas, merci beaucoup, Guillaume. Et puis, on se retrouvera tous chez Ferrari, normalement, cet été, parce que Damien, je crois, c'est ça, hein, 3 ou 4, tu vas en acheter, tu m'as dit, voiture. Ouais, pour aller au bal. Ce seront des miniatures et des majorettes. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Guillaume. Merci à vous. Bon, là aussi, message plein d'optimisme avec cet investissement optimum, hein, de Guillaume. Hein.
Oui, alors effectivement, moi je pense que je suis comme un certain nombre d'entre vous, 527 ou 620 km avec un litre d'essence, c'est quand même très très impressionnant. Mais au-delà de ça, alors bravo à Guillaume. Et puis peut-être d'abord un mot, dit un petit lycée. Moi j'aime pas trop les petits lycées, je crois qu'il n'y a pas de petits lycées, il y a des lycées, et il y a des lycées sur l'ensemble du territoire, il faut qu'on les considère tous à leur juste valeur, c'est des lycées. Point. Et ensuite, souligner que l'excellence, elle n'est pas réservée à quelques quartiers de Bordeaux, de Poitiers. L'excellence, elle est partout. Et donc, je crois qu'il faut avoir ça en tête. Cette question n'est pas liée particulièrement à un lieu. L'excellence, on la trouve vraiment partout. Ensuite, sur ces concours, parce que je crois que c'est un point qu'on se pose toujours. Est-ce que c'est bien à l'école où on doit avoir des concours? Bon, moi, je me pose toujours ces questions. Un lycée, puisqu'on parle des lycées essentiellement, c'est un lieu où on apprend normalement. Mais pour apprendre, ben, on a tous été lycéens, on a tous été dans une classe. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'apprendre? Il faut y mettre du sens derrière tout ça. Et pour avoir du sens dans ce qu'on veut faire, il faut trouver une motivation. Qu'est-ce qui peut motiver de plus ou motiver autant qu'un concours? Se dire, on a un objectif, on va avoir ce concours, et se dire ensuite, comment on peut réussir à ce concours? Guillaume l'a dit, c'est d'abord travailler à plusieurs. Et travailler à plusieurs, c'est un élément essentiel, parce que dans le monde, on se motive, et puis le monde de l'entreprise, on voit bien, là, on est 5 pour faire cette émission, plus des gens ailleurs. Et c'est d'abord le collectif. Et puis ensuite, c'est aussi, et je crois que c'est un élément important à avoir à l'esprit, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord. Les deux Léa nous le disaient tout à l'heure. Ben c'est ça la vie, on est rarement toujours d'accord au départ, et donc il faut travailler ensemble. Et ça, un concours, c'est quand même à un moment donné, moi j'ai en tête quelques situations de concours, notamment de robotique, où à un moment donné, il faut faire des choix. Et on n'a pas 3 heures pour réfléchir. Donc il faut le faire, il faut prendre la décision, il faut vraiment le faire vite. Et puis après, c'est aussi, quand on est sur des projets comme ceci, ça donne envie, et ça donne envie de continuer, ça donne envie pour un certain nombre d'en faire des métiers, et au moment où on est recruté, hein, j'ai un exemple en tête, quand on a été, bah, comme ce jeune vice-champion, ou troisième au concours de véhicules, au concours Shell, ça attire l'œil, et ça attire l'œil des recruteurs, parce que bah, ce qui fait une caractéristique, c'est son CV, c'est les études qu'on a faites, bien entendu, mais c'est aussi la petite différence. Et cette petite différence, ça passe parfois par avoir participé à un concours ou par avoir été président d'une CVL ou d'une MNL. C'est ce qui fait la différence aussi pour les recruteurs. Donc oui, il faut des concours, il faut que ce soit des concours qui soient bien faits et qui soient inscrits dans le projet pédagogique et le projet des enseignants. Un concours en dehors de l'établissement, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui a un intérêt, c'est quand l'ensemble du collectif, et là, Guillaume le disait, les professeurs sont autour d'eux, ils les accompagnent, il y a une relation différente qui se crée. Quand il y a une difficulté, bah, tout le monde se met autour de la difficulté. Je crois que c'est aussi une manière différente de travailler dans un établissement. Tu voulais rajouter un mot, Damien? Oui. Non, puis moi, je note à chaque fois que dans la majorité des concours, des expériences comme celle-là, vous le rappeliez, Monsieur Mittet, tout à l'heure, il y a aussi de la mobilité. Elle est psychologique, elle est géographique. On les voit, ils sont allés à Londres, ils vont aller à Maranello. Dans les Olympiades, on va dans une autre région de France. On se déplace aussi à l'international, dans l'Europe, etc. Et d'un point de vue de l'échange culturel et citoyen, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, au-delà de la compétence qui est différente quand on vient d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord, etc. Et c'est un véritable échange qui existe, et ça permet à chacun de progresser. Et l'échange, transition tout trouvé. Dernier échange pour cet épisode 5 des Olympiades des métiers, j'allais dire. Non, pas du tout, puisque les Olympiades des métiers, malheureusement, ne pourront pas être organisées cette année. Mais on fait tout pour remplacer un petit peu le concept, même pourquoi un petit peu, on le remplace complètement. On va parler parole de pro, c'est notre troisième et ultime chronique, juste après le jingle. Et avec nous, Oriane Provost. Oui, bonjour. Donc, membre de l'association Les Anciens du lycée Jean Monnet. Oui. Alors, expliquez-nous la philosophie de cette association et ce qu'elle fait au quotidien. Je vais commencer par vous expliquer le lancement, l'idée de base.
Donc l'assaut des anciens, c'est 9 jeunes, 9 familles, 9 cognacés, mais aussi 9 étudiants, tous issus du lycée Jean Monnet à Cognac, et qui ont décidé de suivre des voies professionnelles différentes. Donc moi, par exemple, je suis en communication relations publiques. On a aussi des membres qui sont ingénieurs, en médecine, en commerce, ou encore dans la gendarmerie à l'armée de terre, par exemple. Et on arrive tous plus ou moins en fin d'études, donc fin de cursus scolaire, et en fait, on est parti d'un constat qui nous a marqué du coup après l'expérience qu'on a eue pendant toutes nos années d'études, c'est qu'il est difficile actuellement d'avoir des informations claires, des réponses à nos questions et de manière générale une ouverture large de toutes les possibilités concernant les poursuites d'études et notre avenir professionnel. Et on s'est rendu compte qu'on se retrouvait donc souvent dans des circuits plus ou moins bouchés sans savoir qu'il y avait d'autres circuits pour avancer et mener à bien nos projets professionnels. Et ce qui nous a aussi motivés, après ce constat, à créer l'association, c'est la période d'épidémie de coronavirus, où on s'est rendu compte également que les salons, les forums, les portes ouvertes, du coup, n'étaient plus possibles et accessibles, et que ça pouvait pénaliser les élèves donc, dans l'avancée de leur recherche, par exemple, pour leur parcours professionnel. Et donc, pendant le confinement, vous avez décidé de lancer, si je crois, une page Facebook particulière. Est-ce que, Oriane, tu peux nous en dire un mot ? Du coup, la solution donc, à ce constat, c'est, comme vous venez de le dire, de créer une page Facebook, un groupe Facebook, où on a commencé à faire des posts en expliquant notre cursus scolaire, les stages qu'on avait réalisés, le métier qu'on voudrait faire après, et en précisant du coup que si des élèves étaient intéressés, ils pouvaient nous contacter directement pour qu'on en discute, pour les conseiller, les orienter. Et ce groupe-là, actuellement, a plus de 300 personnes, 300 témoignages. Donc, on l'a ouvert vraiment à tous les lycéens, les étudiants et les professionnels pouvant apporter un bout de leur parcours aux futurs bacheliers. Donc, oui. Ça, c'était l'idée de base, vraiment, le groupe Facebook. Oui, vous ne travaillez pas, en fait, tout seul et toute seule dans vos coins. C'est ça, il y a des interactions Oui, tout à fait. Chacun propose ses idées, il y a des gens qui répondent, qui commentent, on interagit, alors en privé ou en public, comme les gens préfèrent. En termes de manière de procéder, je me mets dans une position, je suis collégien, je suis lycéen, j'ai envie de savoir un petit peu comment ça se passe pour devenir médecin ou dans le monde de la communication, puisque tu disais que tu faisais partie du monde de la communication. Est-ce que je peux rentrer en contact avec toi par le biais de cette page Facebook ? Alors oui, donc si je prends mon exemple, j'ai fait mon poste avec toutes mes informations et si des gens, des élèves sont intéressés, ils ont juste à cliquer sur mon profil et m'envoyer un message. Et donc la page Facebook, c'était vraiment l'idée de base et nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est créer une plateforme, un site web où en fait, il y aurait un système de mots-clés où l'élève va par exemple taper communication, événementiel et il va avoir une liste des gens. Donc que ça soit moi ou d'autres personnes qui auront rejoint le groupe et il va pouvoir rentrer directement en contact avec cette personne et organiser un Skype par exemple ou une discussion vidéo pour que on puisse apporter des conseils vraiment personnalisés et ciblés en fonction de l'élève. Oui, il y a du concret au bout, c'est ça. Ouais, et ça serait via une plateforme web du coup, en plus du groupe Facebook et des autres réseaux sociaux. Alors, moi, au regard de ce que vous faites, et j'étais mis au courant, en fait, et je vais en profiter pour le saluer, parce que c'est lui qui nous a aidé à monter cette émission sur Cognac, c'est Jérôme, il se reconnaîtra, et oui. Tous, chacune et chacun d'entre vous le connaissent, parce qu'il travaille sur ce territoire-là, et c'est un salarié de la région, de la direction de la jeunesse. Est-ce que on peut vous solliciter sur le réseau d'ambassadeurs métiers que la région, en tous les cas, l'exécutif de la région souhaite que nous mettions en place. En tous les cas, moi, je vous lance la perche parce que je crois que vous avez des magnifiques parcours et que vous pouvez nous aider beaucoup à ça. Alors oui, bien sûr, ça serait idéal. Même ça permettrait de faire développer l'association et d'aider encore plus de gens, pas forcément du coup à Cognac ou en Charente, mais au niveau national, en régional déjà, puis idéalement national. Alors je prends. Et le rendez-vous est pris en direct. Rendez-vous est pris en direct, on en profite et on reprendra contact ensemble très rapidement de telle manière à faire profiter vos expériences à ceux qui cherchent à un moment donné un petit peu leur parcours dans les tout prochains mois.
Ok. Et on remercie donc Ryan Provost, membre de l'association des anciens du lycée Jean Monnet. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Voilà, encore un exemple de jeunes qui se bougent la tête au service des autres aussi. Oui, alors c'est... on avait vu avec Damien, en regardant sur l'orientation, on s'était dit, mais qu'est-ce donc ces jeunes qui font une page Facebook pour dire, bon, on est prêt à aider. C'est vraiment, je crois, un élément qui nous a tout de suite séduit au moment où on l'a vu. On s'est dit, là, franchement, c'est ce qu'on veut faire. Ils veulent le faire aussi, il faut qu'on le fasse ensemble. Mais peut-être pour que tout le monde comprenne sur ces situations, c'est... l'inégalité qui est très très forte par rapport à ces sujets d'orientation et la manière dont les jeunes peuvent s'orienter. Il y a eu des études qui ont été conduites, hein, qui montrent que ce qui est déterminant dans l'orientation, c'est d'abord le milieu familial. C'est d'abord la famille, c'est d'abord les amis qui vont être essentiels dans la première phase d'orientation. Les métiers, ceux qu'on veut exercer, ceux qu'on connaît, c'est d'abord ceux que pratiquent nos parents, nos amis. La télé, on voit bien le nombre de cuisiniers après les émissions sur la cuisine, mais c'est d'abord c'est ça. Deuxième partie, et ensemble, c'est l'école. Et c'est l'école avec les professeurs, avec les psychologues scolaires, je pense que vous en avez eu il y a deux jours. Oui, oui. c'est tout cet environnement, mais c'est d'abord les familles. Après, il y a un deuxième point, et c'est là où ça peut être compliqué, c'est découvrir. Et dans la découverte, je pense que ce qui nous est montré, ce qui nous est proposé, c'est essentiel. Ce qui fait qu'un jeune va pouvoir avoir envie d'exercer un métier, c'est d'abord le connaître. Et ça, c'est le travail que nous devons faire, la région, puisque nous avons maintenant la formation à l'orientation dans nos compétences. C'est donc un point important. Et le deuxième élément qu'il faut avoir par rapport à ça, c'est le contact. Parce que avoir des fiches, suite à peu orientation sur n'importe quel moteur de recherche, on va avoir des tonnes de documents. Mais au final, ce qui importe et c'est essentiel, c'est que les jeunes puissent se dire j'ai envie d'être pâtissier, j'ai envie de travailler dans le monde de l'automobile. Il faut que je puisse rencontrer des gens qui ont réussi et les gens qui ne sont pas trop trop loin. Quand moi, je vais expliquer à un jeune ce que c'est les métiers de l'éducation, il me regarde en se disant, bon, il est gentil, monsieur, on va l'écouter poliment. Quand c'est quelqu'un qui a 4 ou 5 ans d'écart avec lui, qui lui dit, tu vois, moi, pour faire ce métier-là, j'ai fait ça, j'ai fait telles études, j'ai eu du mal à ce moment-là, et si tu es à ce moment-là, il ne faut pas lâcher, il faut être là. C'est vraiment des points qui sont importants, qu'il faut garder à l'esprit. Donc, ces ambassadeurs métiers, et le fait qu'il y ait des jeunes qui, à un moment donné, sont inscrits dans un travail avec une ambition pour porter... ces métiers sur d'autres, il faut pouvoir le faire. Dernier point, je crois que c'est des actions qu'on doit conduire absolument au sein de la région. L'orientation pour les jeunes, c'est aussi la question du logement. C'est un élément essentiel. Quand on est un jeune et qu'on veut avoir une ambition pour aller sur d'autres formations qui sont plus éloignées, pour nous, c'est la question des logements, c'est la question des internats. Et j'insiste sur ces internats qu'on rénove en permanence, qu'on doit réouvrir en ce moment. Il faut les réouvrir en étant respectueux des consignes de sécurité, mais il faut ouvrir les internats. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la question de la mobilité. Il faut que les jeunes, c'est les transports, il faut que les jeunes puissent se déplacer. Puis il y a un dernier point qui est vraiment à avoir à l'esprit, c'est quand on est un jeune issu d'une famille qu'on peut dire fragile, peu favorisée, si on dit à la personne, tu vas faire des études, mais tu te rends compte, tu es en troisième, 3 ans jusqu'au bac, plus 2 ans après, plus 3 ans, plus 5 ans, ça peut vraiment mettre un certain nombre de familles et donc de jeunes en difficulté. Ce qui est vraiment essentiel par rapport à cette question d'orientation, c'est aussi que les collectivités et l'éducation nationale puissent sécuriser les parcours. C'est-à-dire qu'on y va pas à pas, on le disait tout à l'heure. Un, on peut faire des choix, on peut se tromper, on peut parfois échouer, mais échouer, c'est simplement prendre un petit peu de retard pour après réussir. Il faut qu'on se donne le temps et qu'on sécurise les formations pour ces jeunes de telle sorte que ça ne soit pas du quitte au double. Je réussis, c'est bien, ça ne marche pas à un moment, j'arrête et je décroche. Parce que la pire des situations, et on le rencontre, et malheureusement, on peut avoir cette situation que nous pouvons rencontrer à la rentrée, c'est le décrochage. Un jeune qui ne trouve pas de formation, un jeune qui
et ça peut arriver, fait un choix de formation et au final, ça n'est pas possible pour lui, il faut absolument qu'on lui donne des perspectives et qu'on l'accompagne dans une réussite, quitte à ce qu'on lui dise, bah, c'est d'abord cette année, puis l'année suivante. Parce qu'autrement, le risque, c'est que ceux qui en bénéficient ou ceux qui bénéficient de toutes ces formations sont ceux pour lesquels le contexte familial est le plus sécurisant et le plus favorable. Damien, un petit mot de conclusion, car l'émission touche à sa fin en quelques secondes. Bon, on a vu une thématique un petit peu différente de celle traditionnelle. Pour autant, ce qu'on peut remarquer de manière systématique, c'est l'engagement des jeunes. Et très sincèrement, on les voit extrêmement à l'aise dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils nous racontent et dans ce qu'ils nous rapportent. On voit des gens qui sont passionnés de ce qu'ils défendent. Et moi, ça a plutôt tendance à beaucoup me rassurer parce que l'avenir, quand même, c'est eux bien plus que nous. Non, pourquoi dis-tu ça? Mais absolument pas. Merci beaucoup, en tous les cas, Philimité, d'être venu nous voir ici dans le studio à la région. Et on se retrouvera pour le numéro 6 du live des métiers, non pas des Olympiades des métiers, mais c'est finalement pareil. Les Olympiades des métiers, elles sont là, elles sont partout, Damien. Elles sont partout, en tous les cas, elles vont recommencer à partir de la semaine prochaine. Et normalement, sur le 6, on devrait voir quelques épreuves. Épisode 6, à suivre. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir.